2h15. Tu as encore un moment? 10 minutes. Ben voilà, mon petit vieux, tu as vu le phénomène. Je ne t'ai parlé de rien avant le déjeuner, et à table, je me suis retenu tant que j'ai pu pour que tu aies une idée nette du personnage, et que l'on ne vienne pas me reprocher encore d'être fautif et d'exaspérer monsieur. Il y a longtemps que tu ne l'avais pas eu sous les yeux. Tu avais gardé sans doute le souvenir d'un enfant. À présent, tu as vu le jeune homme, si j'ose dire. Une coiffure de chien savant qui a l'air de tenir en équilibre sur sa tête comme une pièce montée, une bague grosse comme ça, une poule de jet de luxe au poignet, un mouchoir jaune à faire crier un cacatoès, et par-dessus tout ça, un mépris au coin des lèvres, un air de pape offensé dès qu'on se permet de lui adresser la parole. Tu as vu ça? Tu l'as vu, hein? Mon fils, mon vieux. Ça me ressemble, hein? Tu restes baba. Bien voilà. Voilà la nouvelle génération. Voilà comment ils ont été faits, ceux-là. Moi, je porte un costume tout simple, tu vois, et j'en fais faire un tous les 2 ans. Mais tu as remarqué la chemise de monsieur et la qualité choisie de son veston. Tu as vu les carreaux de ses chaussettes et l'ineffable couleur de sa cravate. On se lève la peau 20 ans de sa vie à vendre des appareils de chauffage pour arriver tant bien que mal à élever ses enfants, et brusquement, parce qu'il a poussé à celui-là 4 poils en dessous du nez, tu vois à ta table, chez toi, une espèce de prince oriental, toujours couvert de soie et de breloques, lequel daigne de temps à autre relever la paupière et laisser tomber un mot. Voilà la vie, mon vieux. Ah, tu as bougrement bien fait de rester garçon. Mais non. Quoi, tu n'es pas de mon avis? Moi, je trouve que tu exagères beaucoup en ce qui concerne Charles. Mais son frère est pareil. Enfin, pareil. Tout en appartenant à un type exactement opposé. Lui, c'est autre chose. Il tient le milieu entre le mécano et les quasars. Il est toujours sale comme un cochon, avec de l'encre et du fusain sur tous les doigts, un morceau de poème qui sort d'une poche, une pile électrique dans une autre, sans parler des bobines de fil de fer, roues dentées, tubes en caoutchouc et autres saloperies. Celui-là, c'est un peintre, poète, inventeur. Les trois, bravo! Je ne sais pas dans laquelle de ces 3 spécialités il atteindra la gloire. Pour le moment, il se donne aux 3. Ah, tu ne l'as pas vu aujourd'hui, mais je te dis, c'est kip-kip. Rien n'existe pour lui sur la Terre. Si tu n'as pas le bonheur d'être Rimbaud, Edison ou Picasso... Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu n'es rien du tout. Tu es de la crotte de chien. Tu n'es qu'un sinistre imbécile. Picasso, tiens. Oui. Voilà le grand homme. C'est bien simple. J'ai vu l'autre jour un tableau de cet oiseau-là à la devanture d'une galerie. C'est bien simple. J'ai failli tomber à la renverse. Complètement cinglé. Je me charge d'en faire autant. Tu mets un pied à la place d'un œil, une paire de fesses en guise d'oreille, hop, le tour est joué. Bien voilà. C'est lui le génie. Et Roger, le type qui te dit froidement, si on n'a pas de génie, on n'a rien à foutre sur la terre. Il vaut mieux faire place nette. Place nette. Tu entends ça à 17 ans, mon vieux. T'envoies ça sans sourciller dans le blanc de l'œil. Allez hop, à la balançoire, ça t'exécute père et mère en moins de 2. Il faut, tu fais ma joie. Quoi, ça te fait rire? Mais pas moi. Enfin, ne parlons pas de Roger. Lui, ne m'inquiète pas. Je le prends pour un couillon. Je veux bien admettre que c'est de son âge. Mais c'est mon frisé oxygéné qui commence à me courir. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé très gentil. Il a une bonne figure. Il devient rouge comme un enfant dès qu'il vous dit un mot. Et je pense même que tu as tort de prendre sa réserve pour de la morgue. Et puis, si tu veux mon avis, moi, je le crois d'une grande timidité. Puis très sensible aussi, évidemment. Lui, timide? Mais il a un culot du tonnerre. Et s'énerve par-dessus le marché. Monsieur prend des crises. Tu vois ce gros joufflu devenir blanc comme un cierge, puis écarlate, et quitter la table en gloussant comme une femme avec une voix de châtrée. Aujourd'hui, évidemment, il s'est dû à carreau. Mais crois-moi, je connais mon lapin. Je tiens le gros lot, je t'assure.
Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ben, voici. Quand je t'ai téléphoné avant-hier pour te demander si tu voulais bien déjeuner avec nous, je venais de passer un quart d'heure désagréable. Il y a un mois, voyant qu'il n'y aurait rien à tirer de ce zèbre-là pour les études, j'avais obtenu de Chasselin qu'il le prenne dans sa boîte d'assurance. C'était bien, je l'ai dit à Charles. Je me refuse à lui donner ce surnom grotesque de Lolo, dont l'affuble depuis 15 ans sa mère et sa grand-mère. Je lui dis, mon petit, je te mets le pied à l'étrier, tu n'as plus qu'à être un peu sérieux et apprendre un métier. Va te faire fiche, t'es indigne de lui, tu penses. Lui, il veut tripoter des chiffons, faire des robes pour ses dames, des robes, foufou, quoi. Après résultat, il est resté 15 jours dans ce bureau et il a fichu le camp. Ni plus ni moins, sans explication, en écrivant une lettre de remerciement à Chasselin. C'est d'ailleurs par lui que j'ai été prévenu avant-hier, et lequel m'a d'ailleurs fait observer que les assurances n'avaient pas besoin de ce genre d'artiste, hein, ce en quoi il a parfaitement raison. Il m'a également fait observer, avec beaucoup de discrétion, que vis-à-vis des autres employés, le genre que tu as remarqué chez mon acrobate n'était pas non plus d'un effet souhaitable. Enfin, tout ceci est délicieux à entendre, tu l'avoueras. Enfin, depuis 48 heures, le dénommé Charles, dit Lolo, ne promène plus ses ondulations oxygénées dans les bureaux d'assurance. Alors j'ai pensé, Henri est mon cousin, c'est le seul de mes parents ou amis qui soit dans une branche artistique. Je vais lui demander un conseil. Depuis 48 heures, je me suis tenu à quatre pour ne pas traiter Charles comme il le mérite. Je ne lui parlais de rien. Rien. J'ai tenu avant tout à ce que tu vois le phénomène. Il a pu se douter de mes intentions. À table, nous avons parlé de choses et autres et il a filé à la dernière bouchée. Alors, qu'est-ce que tu penses, mon vieux ? Je ne sais plus que faire de lui, moi. Je ne le sais plus. Mais je dois dire que tu m'embarrasses un peu. Moi, je suis éditeur. Alors, je ne vois pas trop le rapport qu'il peut y avoir. Ben, j'avais pensé, comprends-tu ? Ben, s'il était dessinateur, je ne dis pas. J'aurais pu le présenter à un confrère spécialisé, ou tiens, même à une revue de mode. Alors, ce n'est pas son cas. Non, ça c'est l'autre qui dessine. Lui, il travaille dans le génie, il tripote des chiffons d'inspiration. Dessiner, tu penses, pas question. Alors je te répète, je ne vois vraiment pas en quoi... Ben, je m'étais dit, une fois, l'édition, ce sont tout de même des artistes qui travaillent là-dedans. Peut-être que dans ce métier-là, il s'intéresserait à quelque chose. Mais tu me dis qu'il a la passion de la couture. Ah, ça c'est bien simple. Il t'habillerait une femme avec une feuille de papier à cigarette. Il est adroit comme un singe. En deux temps, trois mouvements, il te confectionne une robe. Sa chambre, elle est pleine. C'est plus une chambre, c'est un atelier de couture. Des fanfreluches dans tous les coins. Et avec un goût que Thérèse dit extraordinaire. Moi, j'y connais rien. Eh bien alors ? Alors quoi ? Et pourquoi es-tu allé l'enfermer dans une compagnie d'assurance ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse ? Et alors, pourquoi me parles-tu d'édition ? Alors qu'il a un métier tout trouvé et qu'il ne s'intéresse qu'à lui. Tu ne voudrais tout de même pas que je prenne ces foutaises-là au sérieux. Mais la couture, mon vieux. Quoi, la couture ? T'imagines pas que je puisse avoir un fils de 18 ans couturier ? Bon, tout de même pas un métier. Pas un métier comme je le comprends, que veux-tu, hein. C'est bien un milieu très spécial, la mode, hein. Dessinateur, décorateur, ce sont 9 fois sur 10 disons, des personnages particuliers pour employer un langage correct. Et j'ai pas envie que mon fils devienne un de ces personnages-là. Mais tu sais, j'en connais aussi qui ne sont pas de ces personnages dont tu parles, là. Impossible. Et puis, la question n'est pas là. Tu me dis, je ne veux pas que mon fils devienne un de ces personnages-là. Il en est lui-même autant qu'on peut en être, même, d'ailleurs. Comment ça, il en est ? Tu le dis toi-même à chaque mot. Non, mais si je le savais, je lui casserais la gueule, moi. Mais tu le sais. Mais non, je ne le sais pas. Mais oui, tu le sais. Depuis 15 minutes, tu me parles de ses bagues, de ses bracelets, de ses cheveux oxygénés. Tu me parles de ses crises de nerfs, de sa voix de femme. Tu le sais. Mais je vais lui casser la gueule. Tu ne lui casseras rien du tout. Non, mais pardon. Puis si tu me demandes un conseil, je te dirai, mais regarde les choses comme elles sont. Hein? Charles est né comme ça, il n'y peut rien et toi non plus. Mais Charles est une femme, c'est évident. C'était déjà évident quand il avait 5 ans, je m'en rappelle très bien. Et toi, tu vas le mettre dans une compagnie d'assurance. Mais il y a des femmes qui travaillent dans les compagnies d'assurance. Oui, d'accord. Mais Charles, lui, il a le vrai goût des femmes, il aime la toilette, les bijoux, les robes. On peut aimer les robes et être un homme. Moi, j'aime les robes. Mais non. Quoi ? Toi, tu aimes les jupons. Ça n'a aucun rapport, justement. Oui, enfin, bon. Alors ça, c'est du nouveau. Quoi ? J'ai un fils qui est une folle. Je
t'en prie, ne me répète pas que je te l'apprends. Mais si, parfaitement. Tu refusais de te l'avouer. Je refusais parfaitement parce que jusqu'ici, j'ai appartenu à une famille de gens normaux. Parce que si notre grand-père, qui était magistrat, vivait encore, oui. et qu'il était appris une chose pareille, quand lui est annoncé que son arrière-petit-fils était couturier... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, il en serait tombé raide sur le coup, j'en suis sûr. Eh bien, ça arrangerait tout. Et avec toi aussi, ça s'arrangera. Et puis, tu sais, tu ne seras pas obligé d'en mourir, hein. Ah, tu trouves, tu as de l'estomac. J'estime, moi, justement, que rien ne s'arrange, au contraire. Tu es un emporté, pour moi. Tu te mets toujours en colère. Mais calme-toi. Et puis surtout réfléchis, hein, et ne prends aucune décision, et regarde bien les choses en face. Les choses, oh, je trouve dégoûtantes, les choses, si tu veux, mon ami. Ignoble, révoltante. Je le fous dehors ce soir même, ce petit salopard, avec ses grosses fesses et sa gueule de jean foutre. Je montrerai la couleur de ma cravate, brosse brunelle. Allez hop, je le vide, un grand coup de pied quelque part. Je prendrai être comme tout le monde, moi. Mon cher Rico, je suis désolé, mais je vais partir si je veux être en rendez-vous. Ah oui, bon ben, je t'en remercie. Ah, Thérèse. J'ai entendu quelques cris. Tu piques encore une petite Freud, si je comprends bien. Le moins qu'on puisse dire, qu'il a un caractère violent. T'en foutrais du caractère violent. Et un vocabulaire. Oula. Toujours choisi. Oula. J'emmerde le vocabulaire. Et toc, avec lui c'est du ping-pong, vous voyez. La balle revient toujours. Moi, quand je n'ai pas entendu crier « Nom de Dieu » et le mot de Cambronne 20 fois dans la journée, je sais que quelque chose ne va pas. Il a pris froid, il couvre une grippe, il a un peu de fièvre. Vu la température à 2h30, nous en compterons bien 20 de plus d'ici ce soir. Ce chéri Pau, il est toujours plein de fougue. Ça oui, pour la fougue, on est servi. Oui, mais c'est le secret de sa jeunesse, regardez-le. Il est sec, il est mince, il n'a pas de ventre. Il gueule du matin au soir, il est parfait. Je suis sensible à cette revue de détails. Mais tu me permettras de te répondre qu'en général, si je gueule, comme tu dis, j'ai des raisons de gueuler. Dis donc, je l'espère bien. Mmh. Le comble serait de t'entendre crier pour rien. Bon, au revoir, mon vieil faux, ma chère Thérèse. Je suis très, vraiment très désolé que tu t'es mais il est déjà 3h moins. Ne vous mettez pas en retard. Bien, ma fille, nous avons du nouveau. Votre cousin est parti. Il vient de s'en aller. Tu as droit à ses hommages, maman. Oh, je le trouve tout à fait charmant. Un garçon si discret, si bien élevé. Dommage qu'il ne soit pas marié. Il aurait fait un mari adorable. Oui, 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 nous avons du nouveau. Ah oui? Racontez. Le café est froid, maman. Je vais dire à Léonie de le faire réchauffer. Non, non, je ne l'aime que froid. Maintenant, si vous voulez, je remets ma petite histoire plus tard, je peux le faire. Surtout pas, Hippo. Enfin, vous savez bien que personne ne me fait plus rire que vous quand vous racontez une histoire, voyons. Ma chère mère, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez trouver celle-là irrésistible. Mais oui, mais oui. Bien, mes enfants, je vous annonce que nous comptons dans la famille un spécimen d'individus que l'on n'y avait encore jamais rencontré jusqu'ici. Hmm? Lolo, puisque c'est le nom grotesque dont vous le gratifiez, Lolo, autrement dit Charles... Eh bien ? Oh, je peux à peine me résoudre à prononcer ce mot. Là, tu m'étonnes. C'est pas le mot qui me gêne, c'est sa signification. Mais vous m'affolez, Hippolyte. Bah, il y a de quoi, je vous l'affirme. Charles, autrement dit Lolo, est un averti. Voilà, depuis 10 minutes, je ne peux plus en douter, vous êtes fixé aussi bien que moi. Converti ? Converti à quoi ? Oh, pas au communisme, j'espère. Enfin, je pense pas que ça serait son genre. Hein ? Quoi ? Inverti. Ah ! Inverti ? Inverti. Ah. Ça ne vous dit rien. C'est ennuyeux. Il a besoin d'une opération. Non, 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 non. Non, ma mère, votre innocence est délicieuse. Ça ne veut pas dire que Charles ait attrapé une maladie. Cela veut dire que... il n'est pas un homme, s'il faut vous mettre les points sur les i. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Hippo ? Enfin, j'étais là quand il est né. Bien, mettons que ça ne lui serve pas à grand-chose d'être normalement constitué. Ah, ah, vous voulez dire... Oh, bah, décidément, j'y étais pas du tout, moi. Oh, bah, je nageais complètement. Oh, ça... Bah, évidemment. Quoi, évidemment? Bah, évidemment. Notre pauvre Lolo est plutôt efféminé.
Il est bien évident qu'on ne peut pas sérieusement le prendre pour un champion de boxe, hein. Ah, ça, non. Eh bien, mais vous n'avez pas l'air d'en être choqué plus que ça, ni surprise. Surprise? Écoutez, Hippo, dès qu'il a eu 5 ou 6 ans, nous avons vu cet enfant faire des robes ravissantes à ses poupées, avec des morceaux d'étoffe qu'il ramassait à droite et à gauche. Nous l'avons vu grandir et nous étonner par sa mémoire extraordinaire des modèles et des tissus. 3 ans après avoir vu une robe sur une femme pendant 2 minutes, il se la rappelait dans ses moindres détails. Il aurait bien fait d'apprendre l'histoire et la géographie. Oh, nous l'avons vu refuser ses heures de récréation pour faire des poupées. Nous l'avons vu devenir un jeune homme et s'habiller tout d'un coup avec cette recherche. Oui, enfin, un peu particulière, disons-le. Et vous voudriez que je m'étonne quand vous me dites que Lolo est une femme? Bien sûr que c'est une femme, le pauvre petit. Eh bien, mais tout est bien, tout est parfait. Toi aussi, tu trouves ça impeccable? Tu trouves admirable ses ongles vernis, ses bagues de sybarite? Tu trouves parfait d'avoir un fils qui passe aux yeux de bien des gens pour la reine des folles? Mais je regrette, moi, je ne suis pas d'accord, figurez-vous. Moi, j'ai peut-être aussi mon mot à dire, et que mademoiselle s'énerve ou non, je le dirai. C'est un peu tard. Quoi? Je dis c'est un peu tard. Tu aurais pu t'y prendre plus tôt. Ça ne se passera pas comme ça. Je t'en fiche mon billet. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu! Il y avait longtemps. Oh là là, mais comme vous parlez gras, Hippolyte. Depuis bientôt 20 ans que nous vivons ensemble, j'avoue que je ne m'y habitue pas. Mais je ne crois pas que ça change, figurez-vous. J'emploie les mots qui expriment ma pensée. Ouais. Et s'ils sont gras, comme vous dites, ça signifie au moins que je ne suis pas efféminé, moi. Mon langage est un langage viril, qui dit ce qu'il veut dire. Ah, pour ça, oui. Pour un étranger, cela pourrait prouver aussi que tu as passé ta vie dans un corps de garde, mon ami. Tu ne parlerais pas autrement. D'ailleurs, avouons-le, à part maman, nous te suivons sur ce chapitre. Moi aussi, je parle comme une lavandière. Et les enfants? Ton langage viril nous a marqués. Je parle comme il me plaît, je n'ai de le sens encore de personne. Je peux passer la tête haute devant beaucoup de gens qui ont un langage de vieille marquise, mais qui n'ont pas la conscience aussi nette que la mienne. Et que tu emmerdes. Et que j'emmerde. À pied, à cheval. Parfaitement. Je connais le couplet, je te dis, nous sommes dans un corps de garde. J'ai le langage rude et imagé des gens qui n'ont pas passé leur vie à prendre le thé et à jouer au bridge. Mais tu n'aimes pas le thé et tu ne connais pas le bridge. J'ai fait la guerre, moi, la vraie, hein? Pas comme certains de ces messieurs qui se la coulaient douce et qui portaient des bottes bien cirées. Dans la bite, comme les petits copains, avec des boîtes de singes à bouffer à tous leurs pas et de la boue dans ses godasses pendant 15 jours. Mais tu n'avais qu'à être officier si cela se la coulait si douce. Non, 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 madame, pas officier du tout. Je n'ai jamais cherché à prendre du galon. Mais tu l'as bien cherché puisque tu étais sergent-chef. N'appelle pas prendre du galon, voir des sardines de sous-homme. Alors encore, je ne vois pas pourquoi tu as tenu absolument à en rester là. Parce que... Parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Non, non, pas parce que je ne pouvais pas faire autrement. Parce que, pour tout te dire, j'ai toujours eu horreur de ces gens-là, moi, qui te parle. Des officiers? Des officiers, parfaitement. Et de l'armée en général. Et plus particulièrement des officiers anglais, avec leur thé, leur badine, et cette façon qu'ils ont de vous regarder du haut de leur grandeur. Moi, j'étais le pauvre couillon de brave français qui se fait casser la gueule. Voilà ce que j'étais. Exprès. Exprès, parfaitement. Moi, je te dis, à ta place, j'aurais fait exprès d'être lieutenant. Ça ne m'aurait pas empêché de me faire casser la gueule. Il y en a eu quelques-uns aussi, heureusement. Hein? De toute façon, tu n'as rien eu de cassé. Ah, mais oui, au fait. C'est vrai, ça. Tu le regrettes, peut-être? Oh, là. Eh bien, il est possible à ma femme de regretter qu'un éclat d'obus n'ait pas eu le bon esprit de supprimer celui qui se trouve aujourd'hui son mari. Elle n'aurait jamais eu ainsi l'occasion comme ça de faire un jour sa connaissance sur une plage de Normandie. Allons, allons, mais cet été-là était charmant. Et vos fiançailles, le soir du bal des cocotiers, c'était très gai. Eh bien, votre fille doit regretter de ne pas avoir eu une jambe cassée cet été-là. Le jour où tu cesseras de dire des âneries de ce goût-là, tu nous feras plaisir. Mais je dis ce que je pense. Allons, allons. C'est probablement ce que tu penses. Bon, Hippolyte, je vous défends de vous disputer ainsi avec Thérèse. Mais c'est elle qui me répond tout le temps, vous pouvez le remarquer. Ah, c'est vrai ça, Thérèse.
tu réponds. Tu ne devrais pas. Mais je te réponds pour que tu ne fasses pas un monologue. Sous prétexte que tu es en colère, tu tournes comme un ours entre les fauteuils et tu parles seul. Et il arrive que ça dure une heure, quand ce n'est pas une demi-journée. Comme il n'y a pas 10 salons dans la maison et que nous sommes là, j'aime mieux prendre part et dire mon mot. Maman dit le sien de temps en temps. Cela nous fait ce qu'on appelle une conversation. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi cette histoire d'officier et de sergent-major est venue se mettre au milieu. Et puis, de quoi était-il question déjà? Je ne sais plus. C'est question de Lolo, si vous voulez bien vous le rappeler. Et je disais que les choses n'allaient pas se passer comme ça. Là, tu aurais mieux fait de garder ta langue dans ta poche, nous voilà repartis. Non, mais je ne crierai pas. Je ne crierai pas du tout. Je dirai seulement que je vais lui apprendre à vivre, moi, mademoiselle. Je vais lui en donner des bagues, des bracelets. Et il ira faire. Et pas plus tard que ce soir, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le foutre à la porte, tout simplement. Il ira danser la danse du ventre où il voudra et jouer des castagnettes où il voudra, mais pas chez moi. Simplement, le foutre à la porte. Simplement, je n'irai pas par 4 chemins. Monsieur ne veut pas travailler comme tout le monde. Monsieur veut mener la grande vie et s'imagine qu'en tortillant sa façon des morceaux de chiffon, hop, le coup de pouce du génie, les cailles vont lui tomber toutes rôties dans la bouche. Et alors? Alors? Eh bien alors qu'il essaie, et il comprendra ce que c'est que la vie, il n'est pas si commode de la gagner, sa vie, ce que ces petits messieurs n'ont pas l'air de savoir du tout. Et quand il aura reçu 2 ou 3 coups durs dans les gencives, commencera peut-être à trouver que la maison avait du bon, et que son imbécile de père n'avait peut-être pas tout à fait tort quand il essayait de lui inculquer quelques principes et qu'il s'inquiétait de son éducation. Alors, il comprendra qu'un homme doit être un homme, et non pas une espèce de pantin oxygéné toujours occupé de froufrou, de fanfreluche et autres âneries de cette espèce. Ou alors, s'il ne comprend pas, il n'aura plus qu'à tirer l'échelle. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que... Bon, et tout cela, si moi je comprends bien, toute cette scène depuis un quart d'heure, parce qu'au cours de la conversation que tu as eue avec Henri, tu as découvert, enfin, tu as accepté, ou tu as été forcé de reconnaître, parce qu'il te l'a dit sans doute, ce que tu sais parfaitement comme moi depuis des années, que Lolo n'est pas un garçon comme les autres. C'est pour cela que tu te décides de le foutre dehors, comme tu dis. C'est parce que je ne veux pas d'un fils qui soit... Allô? Ah, comment vas-tu, vieille noix? Oh, 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 mille excuses, chère madame. Oh, non, mais je me mets à vos pieds et vous présente... Oh, oh, non, mais je vous en prie, mais du tout. Non, non, j'ai un appareil détestable qui déforme les voix d'une façon. Et, oui, non, mais je vous en prie, vous êtes un fils... Je vous présente mes respectueux hommages, madame. Non, mais du tout, je ne vois pas comment vous pourriez jamais me déranger. C'est une joie pour moi de vous entendre. J'écoute. Ah, à dimanche prochain. Ah, mon Dieu, je suis extrêmement flatté, chère madame. Croyez-le bien, que vous ayez songé à moi. En effet. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, effectivement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, écoutez, oui, vous, ah, l'année dernière, j'avais bénéficié de la valeur symbolique de l'objet que j'avais à vendre. Mais, comprenez, on ne prend pas tous les ans la photo dédicacée du... Oh, 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 vous me remplissez de confusion. Talent est un bien grand mot, mais si vous êtes infiniment aimable... Ah, eh bien, mon Dieu, madame, puisque vous me faites la grâce d'insister à ce point, je ne puis que m'incliner. Ce ne doit pas être un geste qui doit vous surprendre beaucoup lorsque vous demandez quelque chose. J'en suis persuadé. Oh là là. Eh bien, c'est entendu. Pour dimanche prochain, 5h. Oui, entendu. Oui, ah oui, elle est près de moi et elle vous transmet son meilleur souvenir. Oui, mes fils. Ah oui, mes fils, ben, ils grandissent. Oui, il est... Ah oui, il aime ça, oui, ça, la mode, oui, les collections, oui.
un goût qu'il a toujours eu. Oui. Oui, on est... Ah, pour l'instant, il est encore un peu jeune. Il faut qu'il finisse ses études d'abord. On verra. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, je vous présente mes hommages. Mes hommages, chère madame. Mes respectueux hommages. Oh, c'était Isabelle. Moi qui l'appelle vieille noix. T'avais cru que c'était Boris? Évidemment. Elle a une voix d'homme. Et pour cause. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Vous ne savez pas qu'on ne l'appelle que Barbe Bleue? Madame de Créquy-Mespois? Barbe Bleue? Oui, 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 la célèbre Isabelle. Oh, mais je savais pas, moi. Ah, oh, mais c'est pour ça qu'elle est toujours habillée comme un mousquetaire. Ah, oh, moi, elle me fait tordre. Elle m'a chargée de ses amitiés pour toi. Très honorée. Oh, mais je savais pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout, du tout. Tout à fait aimable, d'ailleurs, charmant. Son digne époux, il doit avoir un point de vue assez différent. Ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être le mari de D'Artagnan. Enfin, moi, pour ce que j'en ai à faire. Oh, tu n'es pas en danger, tu sais. Hein. En tout cas, vous avez été charmant avec elle, Hippolyte. Hein. Et on ne peut plus galant. Ah, quand vous le voulez, vous savez être délicieux. Hein. Tu passes du corps de garde au grand siècle comme personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah ça... Nous n'avons droit ici qu'aux mots que tu connais, mais sitôt que tu sors de la famille, on dirait toujours que tu t'adresses à Louis XIV. Chère madame, chère madame. Alors là, tu es formidable. D'abord, je te ferai remarquer que je n'aurais pas appelé Louis XIV chère madame. Et d'une. Deuxièmement, voilà une femme charmante qui me téléphone pour me demander avec beaucoup d'insistance si je veux faire les enchères à l'américaine pour son œuvre des petits greniers de Rueil-Malmaison. Et tu veux que j'engueule? J'ai accepté, poliment. C'est pas que ça m'amuse, tu sais, d'aller faire le pitre et de risquer en même temps une extinction de voix le lendemain. Oh, mais vous avez un très grand succès quand vous faites les enchères, Hippolyte. Vous êtes rigolo comme tout. Oh, mais l'année passée... Tout le monde se tordait et vous aurez le même succès cette année. Je vous laisse 2 minutes, j'ai fini ma laine. C'est ça, laisse-nous un moment. Nous avons 2 ou 3 choses à nous dire. Tu as parlé? Et de quoi? En tout cas, ne vous disputez pas. Hein? Moi, c'est tout ce que je vous demande. Je suis très calme. Je ne vois pas pourquoi nous nous disputerions. Je suis très calme et d'excellente humeur. Mais oui. Mais quand vous le voulez, vous avez un caractère en or. Vous êtes charmant. Moi aussi, je suis très calme. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et je voudrais justement profiter de ton calme à toi pour régler la question de tout à l'heure. Quelle question? Comment, quelle question? Tu hurles pendant un quart d'heure et tu déclares que tu vas mettre Lolo à la porte. Là-dessus, intermède au téléphone. Et quand je reprends la conversation, qui a tout de même de quoi m'intéresser un tout petit peu, tu me demandes de quoi il s'agit. Oui, eh bien, ça suffit pour aujourd'hui, cette histoire-là. Quoi? Oui, nous reparlerons de ça une autre fois, si tu veux bien. Hmm? Tu as changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis, mais j'ai changé d'humeur. Maintenant, ma décision est prise, je suis maître de moi et je n'y pense plus, c'est tout. Et tu te prépares à aller au cinéma, peut-être? Je me prépare à rien du tout, je parle d'autre chose, simplement. Eh bien, pas moi, si tu permets. Oh, tu ne vas pas te mettre à me casser les oreilles. Ah, mais oui. Je ne vois pas pourquoi tu détiendrais là-dessus un monopole. J'ai 2 ou 3 choses à te dire et tu les entendras. Et calmement. Je t'écoute respectueusement. Je te dirais tout d'abord que si tu avais des projets pour ta soirée, tu peux les mettre à exécution sans attendre Lolo pour le jeter dehors, parce que Lolo ne rentrera pas ce soir. Il est parti en week-end jusqu'à lundi. En week-end? Avec quelle permission? La mienne. J'ai trouvé aussi inutile que lui de provoquer de ta part une scène de 20 minutes pour une autorisation parfaitement normale à lui accorder. Parfaitement normal pour un monsieur qui vient de se faire remercier dans la compagnie d'assurance où je l'avais casé. Tu ne l'aurais pas mis au pain et à l'eau dans sa chambre, n'est-ce pas? Alors, je trouve encore préférable de le savoir 24 heures à la campagne qu'en train de tourner dans Paris et d'aller de bar en cinéma. Avec qui ce week-end, monsieur?
Avec son ami Robert, probablement. Tu sais bien qu'ils sont toujours ensemble. Avec son ami Robert. Et tu viens me dire ça dans le blanc de l'œil. Mais je te dis que je peux. Je n'arrive justement pas à rencontrer ton regard. Ce que tu aurais l'intention d'insinuer par là, tu me fais peur. Ça serait le comble. Bon, je te demande si tu ne sais pas parfaitement depuis au moins 2 ans que Lolo a un ami qui s'appelle Roger, qui a 17 ans, et qu'à 17 ans, on a besoin d'un peu d'argent. Évidemment, je le sais. Alors, pourquoi m'accuses-tu de te dire dans le blanc de l'œil qu'ils sont encore aujourd'hui partis tous les deux ensemble? En quoi est-ce une chose énorme de ma part? Bon, ouais, très bien, tout est parfait. Il part avec son ami Robert. Tu dois trouver ça très normal, entendu? Je te répète qu'il y a 2 ans que tu le trouves normal. Mais depuis 2 ans, je ne m'imaginais pas... Je ne voulais pas penser que... Bon, je me tais. Voilà. Tu ne voulais pas penser. Selon moi, il y a des années que je te vois ne pas vouloir penser. Tu ne veux pas penser non plus que tu as un autre fils qui s'appelle Roger, qui a 17 ans et qu'à 17 ans, on a besoin d'un peu d'argent. Tu ne veux pas y penser puisque tu ne lui en donnes jamais et tu n'es pas surpris qu'il ne t'en demande pas. Tu le blagues à table sur sa fameuse comtesse polonaise qui est devenue ici le grand sujet de plaisanterie. Et tu ne veux pas penser que Roger est son amant et qu'il est entretenu par elle. Tu ne veux pas y penser et tu vas sauter en l'air maintenant que je te le dis. Roger, l'amant entretenu? C'est ça, saute, explose. C'est lui qui te l'a dit? Mais non, il ne me l'a pas dit. Je le comprends, c'est tout. Je ne ferme pas les yeux, moi. Je conclue qu'il ne peut pas en être autrement. Ouais. Il me semble que j'élève mes enfants, je les nourris, je les habille et je paie leurs études. Mais c'est entendu. Mais à 17 ans, on a besoin aussi d'aller au cinéma, on s'achète ses premiers livres préférés, on fume, et on a envie de connaître des femmes. Des femmes? Et quelles femmes? Justement, quelles femmes? Tu le sais mieux que moi. Tu sais aussi les dangers que peuvent courir ces gosses avec le genre de femmes qu'on rencontre quand on n'a pas assez d'argent. Parce que tu t'imagines qu'on n'en court pas autant. Tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Bon, eh bien, cher, réjouissons-nous. Il couche avec la comtesse. Le voilà préservé des filles de la rue. Bravo, un petit pas de danse. C'est ça, plaisante un peu. Entretenu par la comtesse. Allons de Dieu, elle est raide, celle-là, par exemple. Comme ça, tu arranges tout. Mais tu ne pouvais pas m'en parler plus tôt? Mais chaque fois que je t'en ai dit un mot, tu m'as répondu par une boutade. La comtesse, tu penses? Ici, tu passes ton temps à plaisanter, à dire des gaudrioles sur tout ce qui peut être sérieux et à t'empêter à jurer sur ce qui n'a aucun intérêt. Te remercie infiniment. Bah, je te le dis comme je le pense. Parce que tout à l'heure, à propos de Lolo, tu as eu le toupet de mettre en avant tes principes et l'éducation que tu lui avais donnée. Mais parfaitement. Eh bien moi, je te répondrai justement que tu ne t'es pas occupé de leur éducation. Ni à l'un, ni à l'autre. Mais je te... Non, jamais. Ne proteste pas. Parce qu'alors là, c'est moi qui me mettrai en colère. Et ce ne sera pas une colère qui tombera comme par enchantement parce que la baronne machin truc m'appellera au téléphone, je te le garantis. Moi aussi, pour une fois, je hurlerai. Et tu te tairas. Jamais, jamais tu ne t'es chargé de ce qui s'appelle une éducation. Jamais tu n'es seulement allé voir un de leurs professeurs. C'était moi qui m'offrais la corvée. Et leurs devoirs à la maison. C'était encore moi le soir. Et dans la journée, je repassais les chemises. Ah, tu as de grands principes. Et tu nous as 100 000 fois rebattu les oreilles avec... ton grand-père, la magistrature et tout ce qui s'ensuit. Seulement à table, tu ne parlais jamais de tes études à toi que pour dire les blagues que tu faisais à tous ces sinistres idiots et emmerdeurs qu'on appelle les agrégés, pour les imiter en faisant le clown et pour déclarer « J'aimerais mieux crever la gueule ouverte qu'appartenir à cette race de cuistres. » Tu imagines avec quel sérieux ils écoutaient le lendemain leur professeur? Tu parlais de ton service, c'était pour fulminer contre ces bandes de vaches, de salopards et de je ne sais quoi qu'on appelle les militaires, avec encore quelques imitations clownesques à l'appui. Et tu t'es révolté ensuite quand Lolo t'a déclaré un jour qu'il se débrouillerait d'une façon ou d'une autre, mais qu'il ne mettrait certainement jamais les pieds dans une caserne. Tu t'es indigné ce jour-là. Tu l'as traité de tout. Tu as mis en avant la France, l'honneur, la décadence des nouvelles générations.
Seulement lui a compris que tu pouvais toujours crier et que ce que tu disais n'avait aucun sens. Mais quand doivent-ils vous prendre au sérieux? Quand vous faites les pitres ou les professeurs de morale? Quand tu auras fini, tu me feras signe. Oh, je pourrais t'en dire encore pendant longtemps. Parce que tu l'as vu comme moi commencer à porter des bagues ridicules et se coiffer quelquefois de façon insensée. J'essayais de mon côté d'y faire quelque chose. J'ai obtenu une ou deux fois un résultat. C'est peu. Mais au moins, je ne prétends pas être une éducatrice. Toi, tu t'es mise en colère. Tu l'as insulté. Il t'a tranquillement bravé. Le lendemain, tu faisais celui qui n'y pensait plus. Tu acceptais jusqu'à la prochaine colère qui n'avait pas plus de portée que la première. Voilà ta fameuse éducation. Si tu as besoin que je t'ouvre aussi les yeux sur elle. Et voilà tes principes. On crie, on hurle au nom de ces principes admirables. Et chaque mot ensuite, chaque geste prouve qu'on n'y croit pas et qu'on ne leur accorde aucune valeur. On parle de la guerre comme d'un devoir sacré. Et on t'empête ensuite toute sa vie en traitant d'imbécile et de salaud ceux qui vous ont forcé à la faire. On veut mettre son fils à la porte. Parce qu'en vertu de certains principes, on le tient pour une ordure. Et on va faire des courbettes, des salamalecs à la baronne lesbienne. Alors là, non, non, c'est un peu facile. Moi aussi, j'aimerais mieux que Lolo soit un garçon comme les autres. Seulement voilà, il ne l'est pas. Et nous n'y pouvons rien, ni toi, ni moi. Et justement parce qu'il ne l'est pas, il est plus sensible, plus fragile qu'un autre sous ses airs de gros joufflu. Je ne te laisserai pas toucher à un cheveu de sa tête. C'est tout ce que je voulais te dire. Le jour où tu le mettras à la porte, moi aussi je m'en irai. Je sais où j'irai. Il y a déjà longtemps que je le sais. Voilà, maintenant tu es fixé, j'espère. Il y a déjà longtemps que j'aurais dû le faire. C'est à cause des enfants que je suis là. Tu as, maman ? Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Je suis énervée. Tu as gueulé avec papa ? Ce n'est rien. N'en parlons plus. Dis, maman, ça va mal pour Lolo. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, c'est tout à fait par hasard. Remarque que je l'ai rencontré. Hein. C'est... Mais quoi ? Quoi ? Tu sais, Robert, son ami... Il l'a plaqué. Quoi? Mais ils avaient rendez-vous à la gare des Invalides tout à l'heure. Eh ben oui, c'est un petit copain qui est venu à sa place pour remettre une lettre à Lolo. Une lettre de Robert. Tu sais pas ce qu'il a fait, ce petit salaud? Il est parti avec une femme. Une femme? Ah, ce qu'il faut qu'elles soient garces, les femmes, pour faire un coup pareil. Je parle d'une vache. Mais Lolo, comment as-tu su? Où est-il? Justement, je te dis, oh, c'était un hasard formidable, hein. Moi, j'avais déjeuné rue du Bac, chez la comtesse Toniaska, une amie. Tout d'un coup, dans la rue de Grenelle, je vois arriver mon Lolo, en face de moi, comme un somnambule, la figure pleine de larmes. Tout le monde le regardait, moi, il me voyait même pas. Je l'arrête, il se met à sangloter sur mon épaule. Alors moi, je savais plus où j'en étais, hein, tu penses, et... Nous sommes entrés dans un bar, et là, il m'a montré... La lettre de Robert, toujours sans prononcer une syllabe, tellement il chialait. Alors je lui ai dit que j'allais le raccompagner ici en taxi. Hein.
Il a haussé les épaules. Je lui ai proposé de venir chez la comtesse Toniaska. C'est une amie. Il n'a pas marché non plus. Alors, finalement, il y avait un hôtel en face du bar. Il a été d'accord. Je lui ai pris une chambre pour qu'il puisse avoir sa crise tranquillement. Bon, j'ai pas voulu téléphoner, tu comprends. Parce que, bon... Je crois que si tu venais le trouver, ça lui ferait du bien. Je viens. J'ai mon taxi qui attend. D'accord. Bon, je t'attends, bah, j'ai envie de tomber sur papa, c'est du mauvais poil. Voilà ce qu'il faut avaler, sinon on passe pour une sombre brute. Ah bah, où est Thérèse? Elle est dans sa chambre. Je suppose, ma mère, que vous allez trouver ça extrêmement drôle. Un paquet de lettres que je viens de saisir dans la chambre de Lolo. Ah, on a bien le droit de connaître les fréquentations de ses enfants. Des mineurs, ne l'oublions pas. Écoutez ça. Ma grosse pomme. Ma lolotte bouclée. Ma grosse nouille. Ma lolotte. Ma lolotte. Voilà. Il faut savoir qu'on a un fils qui s'appelle Charles et qu'on appelle Lolotte. Ça vous fait pas rire? T'es encore heureux? C'est la porte d'entrée qui a battu. Oui, c'est Thérèse qui a dû sortir. Elle mettait son chapeau et elle préparait son petit sac. Son petit sac, pour quoi faire? Je ne sais pas. Elle m'a simplement dit en coup de vent, je ne coucherai pas ici ce soir. Elle ne couchera pas? C'est ce qu'elle m'a dit. Et ça vous a suffi? Mais elle était très pressée. Elle m'a simplement dit, ne t'inquiète pas, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Alors bon. Mais vous ne savez pas où elle est partie? Non. Ah bah... Ben, très bien, ben, voilà, ben, c'est parfait. Ma femme découche et hop. Et je vais vous le dire, moi, où elle est allée. Elle est allée chez son amant. Elle a un amant, nom de Dieu. Oh, Hippolyte. Et puis, ne rigolez pas comme ça, hein. Je ne suis pas en train de dire des plaisanteries. Elle a un amant, elle me l'a dit tout à l'heure. Elle m'a parlé sur un ton qu'elle n'avait jamais employé avec moi. C'est elle qui a cherché la dispute. Elle m'a fait une scène de rupture en me disant des choses... dégueulasse. Ah, oui. Ah, maintenant, je comprends tout. Elle a même terminé en disant le jour où je partirai, je sais chez qui aller. Hein? Et elle a même ajouté, il y a longtemps, j'aurais dû le faire. Et voilà, elle est allée. Elle avait un amant, nom de Dieu. Encore une chose que je sais certainement depuis des années. Encore une chose que je n'avais pas voulu voir. Eh bien, écoutez, ma mère, maintenant, vous pouvez vous tire-bouchonner de rire sur votre fauteuil. Hein? Regardez bien votre gendre en vous gondolant. Il en vaut la peine. Cocu, perdu de tante et d'un Macron. Vive la famille. J'ai assez ri dans cette maison. Écoutez-moi bien, ma mère. Ni votre fille, ni Lolo ne remettront jamais les pieds ici, vous entendez? Oui, je vous entends. Mais vous savez bien qu'ils reviendront tous les deux. Jamais, vous ne me connaissez pas. Mais si, je vous connais, justement. Et vous ne voulez pas vous voir comme vous êtes? Vous êtes charmant. Oui, eh bien, charmant ou non, je ne rentrerai pas ce soir moi non plus. Je vais m'envoyer en l'air de mon côté. Bonne nuit. Oh, ma grosse pomme. Ma grosse pomme, mon amour. Avec des gâteaux et des croissants chauds. Papa la li la li, papa la papa papa papa. Bonjour monsieur. Bonjour Léonie. J'ai fini monsieur. Je ferme la fenêtre et je m'en vais. Votre est arrêté, j'ai oublié de la remonter hier soir. Quelle heure avez-vous, Léonie? Il doit être 10h par là. 10h. Je dirais mieux à monsieur, je vais regarder la pendule de la cuisine. T'es pas pressé? Madame Grombert est-elle levée? Bah oui, monsieur, avec madame. Madame? Bah oui, monsieur. Madame est là? Oui, monsieur. Madame est rentrée tout à l'heure, avec Lolo, qui est malade. Lolo est là aussi? Bah
Oui, monsieur. Madame Lacouche et... Ben, monsieur est sorti de bonne heure aujourd'hui, pour un dimanche. Je suis pas sorti, j'arrive. Ah, oh, ben, je savais pas que monsieur avait été en voyage cette nuit. Monsieur a déjeuné? Oui, j'ai déjeuné, merci Léonie. Et vous dites que madame est rentrée tout à l'heure avec Charles? Avec Lolo, oui. Bah, appelez-le Charles, Léonie, il est plus un enfant, quoi. Et d'où venait-il? Bah, de voyage, monsieur. Vous avez pas dîné ici hier soir non plus. Bon, merci. Alors, je dis à madame que monsieur est là? Non. Je le dis pas. Oh, plutôt si, allez, dites-lui que je suis là. Madame est avec Lolo. Ah ben, je veux dire, avec Charles. Ah, ça me vient pas, monsieur. Quoi? Ben, de l'appeler Charles. Comment voulez-vous l'appeler? C'est un homme, non? Ah ben, moi, je sais pas. Vous savez pas? Ben, je sais pas pourquoi ça me vient pas. Je l'ai connu trop petit, je crois. Tout compte fait, non, ne le dérangez pas, madame. Dites à madame Grandbert que je voudrais la voir d'abord. Hmm? Ben, elle a sa toilette. Ben, prévenez-la. Bon, ben, j'y vais, monsieur. J'y vais. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Malade. De quoi? Et c'est Thérèse qui le ramène à 10h du matin. Qu'est-ce qu'il a encore fichu comme connerie, celui-là? Qu'est-ce que je vais apprendre? Ha! Je me le demande. Le jour où la machine à fabriquer les emmerdements s'arrêtera de tourner, elle me fera plaisir. Je commence à en avoir ma claque. Léonie me dit que vous êtes là, Hippo? Mais bonjour, ma mère. Ah, embrassez-moi, mon petit. Et d'où sortez-vous? Vous nous faites des tours pendables. Où avez-vous passé la nuit? Vous savez que nous étions très inquiètes, Thérèse et moi? Thérèse, inquiète. Quand? Bah, tout à l'heure, là, maintenant, quand elle est rentrée. D'autant plus qu'elle a ramené Lolo malade. Oh, la pauvre chérie, elle se fait un sang d'encre. Qu'est-ce qu'il a? Lolo? Je ne sais pas. Elle m'a dit qu'il n'était pas bien du tout, qu'elle l'avait veillé toute la nuit. Veillé? Où ça? Comment, où ça? Ben oui, où l'a-t-elle veillé? Je sais pas, moi. Tu savais pas? Non. Et vous n'avez toujours pas demandé où elle avait passé la nuit? Oh, écoutez, Hippolyte, ne me bousculez pas comme ça. Vous m'avez laissée toute seule ici. J'avais la tête pleine de soucis. J'ai très mal dormi. Je n'ai pas fermé l'œil qui voulait le savoir. Mais moi non plus, j'ai pas dormi, si vous voulez aussi le savoir. Ah non? Et pourquoi? Pourquoi? Vous êtes charmante, ma mère. Mais comment dites-vous que vous étiez seule? Roger était ici, j'espère. Mais non! Il est rentré ce matin, lui aussi? Mais non, il n'est pas rentré du tout! Pas rentré? Et où est-il? Mais j'en sais rien, moi! Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris à tous cette nuit de coucher dehors? Vous ne m'aviez jamais fait ça? Que se passe-t-il? J'espérais que vous alliez me l'apprendre. Moi? Thérèse ne m'a rien dit. Elle est rentrée pour coucher Lolo. Depuis, je cherche à lui parler, mais on ne l'a pas quitté. Et Roger se balade, lui? Hier soir, il est rentré dîner avec moi. Je lui ai appris que vous ne coucheriez pas ici. Vous m'aviez quitté en prévenant, n'est-ce pas? Alors il m'a dit après le dîner, puisque papa n'est pas là cette nuit, grand-mère, je vais aller au cinéma. Et je rentrerai peut-être un peu tard, donc tu feras bien de te coucher. Et puis voilà. Vous les connaissez, ces petits, hein? Quand ils ont une idée. Et voilà comment moi, je me suis retrouvée toute seule. Eh bien, bravo, la série continue. Vous allez voir que nous allons être au complet d'ici peu. Oh, ben, j'espère bien, oui. Ah oui? Ben, j'espère bien que Gégé va rentrer. Ah! Ben, où peut-il se promener comme ça? Mais les cinémas ferment à minuit et il est 10h30. Ah, vous avez l'heure exacte. Oui, 10h30. Je l'ai prise à la radio hier soir. 10h30. Juste. Monsieur m'a demandé de lui dire l'heure exacte. Il est 10h juste. Je l'ai prise au clocher de l'église ce matin. Bon, 10h? Moi, j'ai 10h30, Léonie. Ah, madame se trompe. Je ne me trompe pas. Je l'ai prise à la radio hier soir. Alors, c'est la montre de madame qui avance.
Moi, je l'ai pris au clocher de l'église ce matin. Mais non, ma montre n'avance pas. Elle marche très très bien. C'était la montre de ma mère. Elle n'a jamais ni avancé ni retardé. Alors, c'est madame qui a mal entendu à la radio. Non, mais j'ai très bien entendu. Léonie, pourquoi dites-vous que j'entends mal à la radio? Alors, c'est la radio qui s'est trompée, madame. Mais la radio ne peut pas se tromper, ma bonne Léonie. Vous dites une énorme bêtise. Voilà, il est 10h17, à l'horloge parlante. Merci, Léonie. Bah, alors, c'est le téléphone qui se trompe, c'est tout. Tout de même, hein. Le téléphone et la radio pourraient bien se mettre d'accord. Oh, vous m'avouerez qu'ils sont ridicules, tous les deux. Oh, et puis cette brave Léonie, là, qui est venue se mettre au milieu avec son clocher. Bon, ma mère, c'est fini, si vous le voulez bien, à l'intermède de l'heure. Nous avons, je crois, d'autres chats à fouetter. Alors, vous ne savez pas ce qu'a Charles. Et vous ne savez toujours pas, plus qu'hier après-midi, quand je vous ai quitté, où Thérèse a passé la nuit. Ni comment elle a retrouvé son fils. Vous ne savez rien, quoi. Je vous le dis, mon petit. Ni ce qu'est devenu Roger. Oh, vous croyez qu'il a pu lui arriver un accident? Oh, mais il faudrait un peu les habituels nous dire où ils vont. C'est très ennuyeux de ne jamais savoir. Ça, ma chère, sur ce chapitre-là, vous adresserez à votre fille. Moi, j'ai décidé de me désintéresser de la question. Je n'ai jamais été capable d'élever mes enfants. Je suis un clown. Quand je me permets de leur faire une observation ou de prendre une décision qui les concerne, c'est exactement comme si je chantais la grand-messe en musique. Oh, résultat zéro. Que je parle ou non, c'est kiff-kiff. Ici, on se fout de moi. Et par-dessus le marché, je me fais engueuler par ma femme. Mais non, Hippolyte, mais non. Thérèse vous aime beaucoup. Alors, fini la musique. Plus de clownerie, je ferme la boutique. Je ne suis pas un éducateur. Je ne sais jamais que dire des gaudrioles quand il s'agit de choses sérieuses et m'emporter contre ce qui n'a aucune importance. C'est votre fille qui tient le pompon et qui sait parler à ces messieurs le langage qui convient. Par conséquent, ne posez plus de questions sur eux. Voyez leur mère. Vous êtes bien nerveux, Hippolyte. Vous n'êtes pas à jeun. Pas besoin d'être à jeun pour être nerveux. J'ai mangé 4 croissants. J'ai très bien déjeuné, merci ma mère. Vous avez mal dormi, surtout. Je n'ai pas dormi. Ah. Vous êtes envoyé en l'air, comme vous dites. Vous n'avez pas le cœur à m'envoyer en l'air. Bien sûr. Vous avez dit ça pour plaisanter. C'est une expression qui ne signifie rien, naturellement. Le jour où j'aurai envie de m'envoyer en l'air, je le ferai. Et croyez-moi, ça ne tardera peut-être pas au train où vont les choses. Quelle chose? Alors, Thérèse ne vous a pas dit où elle allait, vous ne la soupçonnez pas. Vous ne l'avez pas deviné non plus. Vous ne savez pas qui est son amant. Quel amant? Mais le sien. Mon feu, Hippolyte, vous êtes fou. Thérèse n'a pas d'amant. Et moi, je vous dis que oui, je vous l'ai déjà dit hier. C'est Thérèse elle-même qui venait de me l'apprendre. Ah, et c'est pour ça que vous n'êtes pas rentré hier soir. Pour ça que j'ai tourné dans Paris toute la nuit comme une toupie. Qui est-ce? Enfin, vous devriez le savoir. Écoutez, Hippolyte, je ne continuerai pas à écouter ce genre de questions. Je vais finir ma toilette. Et vous vous expliquerez avec Thérèse. Ah, justement, comment est Lolo? Qu'est-ce qu'il a? Bonjour d'abord. Il est malade? Bonjour, ne me parlez pas ensemble et ne me posez pas 10 questions en même temps, vous serez bien gentil. Et ne criez pas non plus, on vous entend de sa chambre. Mais je voudrais bien savoir, moi. Il est malade? C'est un accident? Où l'as-tu retrouvé? Écoute, maman, il n'est pas malade et ce n'est pas un accident. Je t'expliquerai mieux un peu plus tard. Sois gentil, laisse-le se reposer. Va finir ta toilette et fais-moi couler un bain. C'est ça, ma mère. Laissez-nous un moment, s'il vous plaît. Bon, je vous laisse. Ah, j'ai dit à Léonie de me préparer une tasse de thé. Dis-lui de me l'apporter quand elle est prête. D'accord. Je te fais couler ton bain. Mais ne vous disputez pas surtout, hein. Oh, je n'en ai pas envie. Bon, à tout à l'heure. Hippolyte. Ne soyez pas nerveux, hein? Si tu peux cependant me donner quelques mots d'explication, tu me feras plaisir. Où avez-vous passé la nuit et comment as-tu rejoint Charles, qui était parti en week-end? Il n'est pas parti en week-end. Je te remercie, j'avais compris. Il n'est pas parti en week-end et son ami l'a quitté, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Son ami l'a quitté. Ça veut dire son ami l'a quitté.
Tu ne sais pas ce que c'est qu'une rupture ? Eh bien voilà. Et depuis hier après-midi, je suis auprès d'une épave et d'un pauvre petit qui sanglote et qui souffre tout ce qu'on peut souffrir. C'est par Roger que j'étais prévenue. Je suis partie tout de suite. Je préférais ne pas te prévenir à ce moment-là. C'était inutile. Je te remercie. C'est vrai. Alors ça, tu m'annoncerais que le Panthéon et la Tour Eiffel ont changé de place cette nuit, je ne tomberai pas de plus haut. Non. Non, je ne tomberai pas de plus haut. Il est dans un état fou, le pauvre petit. Ah, tu vas voir que c'est formidable, tout de même. Quoi ? Quoi, tu le demandes, mais d'être là, toi et moi, en train de nous raconter que notre fils vient d'être plaqué par son ami, et de t'entendre dire, le plus simplement du monde, le pauvre petit est dans un état fou, comme s'il s'agissait d'une histoire toute naturelle. Oh, tu sais, naturelle ou non, moi je ne vois qu'une chose, c'est que ce pauvre petit souffre, comme nous n'avons peut-être jamais souffert, ni toi ni moi, heureusement pour nous. Ça y est, lui aussi a décroché le cocotier, il inaugure le mal d'amour, jusqu'à lui personne n'a connu ça. Si tu l'avais veillé toute la nuit, tu n'aurais pas envie de plaisanter, je t'assure. Formidable. Quoi, formidable? Mais tu ne comprends pas ce que c'est qu'un drame. Et tu ne sais pas que, à cet âge-là, ce genre de drame frise la tragédie. Lolo aimait, que veux-tu que je te dise? Il aimait d'amour. Je m'en suis aperçue depuis hier. Et il réagit comme n'importe qui dans ce cas-là. Comme n'importe qui. Comme une maîtresse plaquée. Comme une femme, dis-le. Et après? Soit comme une femme ou comme une bête. Et c'est plutôt comme une bête, d'ailleurs. La seule chose compte, c'est la douleur et l'état dans lequel il est, le pauvre petit. Vois que ça, toi, l'état dans lequel il est. Et parce qu'il n'y a pas autre chose à voir. Il aimait d'amour. Oh non, non. Entendre une mère vous dire ça à propos du petit ami Robert, ça vous fait suer des ronds de chapeau, permets-moi de te le dire. S'il souffrait à cause d'une femme, ça serait pareil. Ça n'arrangerait rien. Mais il ne serait pas dans l'état que tu dis. Alors, nous frôlons la tragédie, et toi et moi sommes en ce moment face à face parce que le petit ami Robert a plaqué notre fils. Ah, oh, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, que veux-tu? Toi aussi, tu ne vois que ça. Un peu, oui. C'est comme ça, pourtant. Et nous devons nous incliner et reconnaître que nous n'y pouvons rien, trouver ça naturel, encore une fois, et en parler, avec l'air sérieux et embêté des parents dont la fille vient de voir ses fiançailles rompues, alors qu'il s'agit de... Ah non, non, il y a tout de même des trucs qui vous dépassent, je te jure. Et s'il n'y avait pas ce drame, je ne serais pas plus content. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il filait le parfait amour, ça ne te plairait pas davantage. Mais ce serait encore pire. Eh bien, tu vois, tu n'as plus qu'à te réjouir que les choses aient mal tourné. Au fond, tu n'as aucune raison d'être en colère. Qui est-ce, ce... Robert? Je n'en sais rien, moi. Un ami à lui. Je ne connais pas tous les garçons avec qui il sort, bien moi non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a quitté Lolo pour une femme. Pour une femme? Oui. Ah ben, il m'a l'air d'un drôle de coco, cet oiseau-là, c'est du propre. Si tu étais son père, tu te réjouirais certainement de le voir rentrer dans le droit chemin. Oh ben, je voudrais bien le connaître, son père. Ça doit être un monsieur recommandable, je le vois d'ici. Il est peut-être aussi recommandable que toi. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, c'est du joli monde. Il y a des heures où l'on voudrait être quelque chose pour balayer tout ça. Allez hop, faites-moi place nette de toute cette saloperie. Un peu d'air, mon Dieu. Tu parles du père ou du fils? Tous, père, fils, tous dans le même panier. Je voudrais leur apprendre à vivre. Ça ne serait pas long, je les mettrais au pas, tu verrais ça. Bon, mais en attendant, assieds-toi, tu me feras plaisir. Je n'ai pas dormi de la nuit et ça me fatigue de te voir tourner. Eh bien, parlons-en un peu maintenant, si tu veux, de cette nuit. Où l'as-tu passé? À l'hôtel. À l'hôtel? Tiens, quel hôtel? Un hôtel rue de Grenelle, où j'ai retrouvé Lolo. J'y suis restée avec lui quand j'ai vu l'état où il était. Qu'est-ce qu'il faisait dans cet hôtel? Bon, écoute, j'aimerais bien ne pas subir maintenant un interrogatoire. Hein. Oui, ben moi, j'aimerais bien, sans te fatiguer davantage, savoir chez qui tu as passé la nuit avec ton fils. Mais je te le dis. Tu ne vois pas l'inconvénient. Oui, mais je ne marche pas. Et tu ne le crois pas? Non, figure-toi. Oh, ben, je te remercie. Y a pas de quoi.
Ah ben, tu m'as bien dit hier que si tu partais d'ici, tu savais chez qui aller. Oui. Tu me l'as dit. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, écoute, pas maintenant, je t'en prie. Mais quoi, pas maintenant? Enfin, tu me fais hier une sortie où tu me laisses entendre avec clarté que tu as un amant. Là-dessus, tu t'enfuis avec un sac de voyage à la main, tu passes la nuit dehors, et quand je te demande après où tu as passé cette nuit, je n'ai pas droit à une réponse. Mais dis-moi tout de suite que je suis ici en surnombre, et qu'incapable d'être ni père, ni mari, on se demande ce que j'attends pour m'en aller. Dis-le-moi que je m'en aille. Dis-moi que personne ne peut plus me supporter ici, et que je suis cocu depuis 10 ans. Dis-le-moi que je suis cocu. Chut! J'aimerais bien te le dire. Ce n'est malheureusement pas vrai. Tu préfères toujours la version de l'hôtel? Pas hier. Tu m'as cependant dit cette phrase-là. Le jour où je m'enlirai, je sais chez qui aller. Et tu as même ajouté, il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Est-ce vrai ou non? Oui. Tu pensais à quelqu'un de précis en me disant cela? Oui. À qui? À ton amant? À celui qui pourrait l'être. C'est-à-dire? Un ami à toi, naturellement. Henri. Mon cousin! Encore mieux! Henri pourrait être ton amant, et depuis quand? Depuis le jour où tu me l'as conseillé. Moi, je t'ai conseillé de prendre un jour Henri comme amant. Elle est raide, celle-là, par exemple. Tu m'as même dit qu'il sera parfait pour toi. Et il te fait la cour chaque fois qu'il te voit. Henri te faisait la cour? C'est toi qui m'as ouvert les yeux. Mais je savais déjà qu'il me plaisait. Et tu l'as relancé? Comme tu dis, le lendemain. Parce que j'avais jeté cette phrase en l'air. Parce que tu t'es allé un peu trop loin ce soir-là. Et parce que je n'en pouvais plus. Est-il devenu ton amant? Il m'a fallu de sérieuses raisons pour y résister, je te l'assure. Il n'est pas devenu mon amant parce que j'ai senti que dans ce cas-là, je ne supporterai plus de continuer à vivre ici et que je serai obligée de t'abandonner les enfants. Henri l'a compris. Il m'a offert alors le plus naturellement du monde de venir me réfugier chez lui quand je voudrais. Si un jour tu me rendais l'existence trop odieuse. Il n'est pas pressé, lui, il attend son heure. Il attend le jour où tu te décideras. Et de quoi se mêle-t-il? J'aurais été capable de le voir tout de même si je te rendais l'existence odieuse. Alors je n'ai plus qu'à me demander si tu l'as fait exprès. Je t'ai rendu l'existence odieuse? Mais tu ne t'en es jamais aperçu, non? Pour moi comme pour tes fils, ce qui te gêne, tu ne veux pas le voir. Et si je te dis que j'ai lutté contre ce qui aurait pu être un amour pour avoir la force de continuer à vivre ici? Si je te dis que tu m'as tué de cris, de vociférations et de grossièreté pendant 20 ans, et que pendant 20 ans, j'ai eu presque chaque soir envie de tout envoyer promener, toi, maman, la maison et les gosses, tu me répondras encore que tu n'en savais rien et que tu n'avais pas vu? Eh bien, tant pis. Tant pis, puisque maintenant tu veux tout apprendre, eh bien, sache-le. Oui, hier, après la scène que nous avons eue, j'ai fait un sac. Et j'ai décidé de me réfugier cette nuit chez Henri. Et je te jure bien que cette fois, c'était dans ses bras que je comptais passer cette nuit-là. Tu l'as échappé belle. Et c'est à Lolo que tu le dois. Dans l'état où je l'ai trouvé, il n'a plus été question de rien. Même pas de quitter l'hôtel. Sans lui. Et tu ne l'avais pas volé. C'est trop facile de toujours faire l'autruche et de t'empêter dans tous les coins parce qu'on n'avait pas voulu voir. Il fallait voir, c'est tout. Vous avez des yeux, vous aussi, les hommes. Si vous ne voulez pas vous en servir, alors tant pis encore une fois. Tu n'avais que ce que tu méritais.
Oh, elle est forte, celle-là. C'est de ma faute. Enfin, j'ai fait peut-être exprès d'avoir un fils. Oh, tais-toi, je t'en prie, tais-toi maintenant. Mais non, non, je ne me tairai pas. Enfin, c'est tout de même formidable. Je te demande si je suis pour quelque chose mais dans la fête. Je n'en sais rien, moi. Je n'y suis pour rien, moi non plus. Et c'est pourtant bien nous deux qui l'avons fait. Commence à me le demander, si tu permets. Mais écoute, tu n'as pas besoin de te creuser la tête. Il est de toi, je te le garantis. Jamais personne dans ma famille, je te le garantis aussi, n'a eu des mœurs contre nature. Ah, ça viendrait de ton oncle Alfred. Je ne serais pas autrement étonné. Il m'a toujours l'air d'en refouler, celui-là. Il avait une manière de frétiller du croupion. Mais oui, c'est lui, parbleu. C'est lui le salopard. Évidemment, jamais personne de mon côté. Ton méchant, Thérèse. Dépêche-toi. Tu sais que la baignoire perd. Tu n'as pas encore foutu un bouchon à celle-là depuis qu'on en parle. Ça viendra. Ne grippe pas, la porte est ouverte. Je crierai si je veux. Je vais prendre mon bas. Je ne vais plus l'ouvrir dans cette maison. Eh bien voilà. Voilà mes enfants. Voilà où nous en sommes. Votre mère doit avoir raison. Il est probable que je ne suis qu'un imbécile, tout juste bon à m'emporter, à parler comme un garde d'écurie, à faire le malheur de tous ceux qui m'entourent. Depuis 20 ans, je n'ai eu qu'un seul souci. Celui de gagner de quoi vous élever correctement, toujours torturé par cette idée que vous puissiez me reprocher un jour sur ce point la plus petite négligence. J'ai toujours eu à me débattre seul. Oh, je n'avais pas fait de très brillantes études, mais sitôt marié, j'ai mis tout mon amour propre à tenir coûte que coûte en renconvenable. J'ai travaillé comme un aigle. Chaque soir, je rentrais fatigué, énervé par mes préoccupations de la journée. Je maîtrisais sans doute mal mes nerfs. Pareil que je n'ai jamais su que vous rendre la vie odieuse à tous. Et que votre mère a été près de moi la plus malheureuse des femmes. Vous ne m'aimez pas, mais elle ne m'aime plus. Pareil que tout cela me crève les yeux depuis longtemps. Moi, jusqu'ici, je n'avais pas voulu le voir. Maintenant, tout est clair. Toi, Charles, mon pauvre petit, tu n'y peux rien au fond, mais tu appartiens à une catégorie d'hommes que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas supporter. Ça ne se discute pas, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Le malheur veut que tu sois mon fils et que tout nous dresse l'un contre l'autre. Je suis ton père, mais nous ne sommes pas de la même famille. Puisque ta mère parle de tragédie, tiens. En voilà une. Je voudrais t'admettre comme tu es. Je voudrais aussi t'aimer. Et j'ai envie de te gifler chaque fois que tu passes à côté de moi. Ce que tu souffres en ce moment, il se trouve que je le souffre. Moi aussi, en même temps. Et c'est pourquoi je peux t'adresser ces quelques mots sur un ton que tu ne connais guère de ma part. J'ai aimé ta mère. Je crois bien que je l'aime encore, malgré mes emportements et mes colères. Oui, oui, je l'aime. Elle est ma femme. Et en ce moment, mon petit, je suis plus près de toi que... Alors voilà, je remettrai à votre grand-mère l'argent qu'elle m'a confié. Je ferai en outre à votre mère des versements réguliers. Je crois que vous ne manquerez de rien ici. Moi, je m'en vais. Je vivrai n'importe où, ça m'est égal. Puisque je vous ai rendu si malheureux,
Je vous demande pardon. Ah, tu es là. Bonjour, pa. Bonjour, mon petit. Maman est là aussi? Oui. Elle est rentrée avec Lolo? Avec ton frère, oui. Ah, tu sortais? Mais toi, tu rentres, toi, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire... C'est à quoi tu rentres? Oui. C'est parce que tu savais que ni ta mère ni moi ne coucherions ici que tu as jugé bon d'en faire autant. Si j'avais été là, tu sais très bien que tu serais rentré. Ah, forcément. Mais tu savais très bien aussi que je l'apprendrais ce matin. Oui. Alors, c'est idiot, tu ne trouves pas? Oh, bien sûr, oui, mais... Alors, tu es idiot. Tu fais quelque chose en sachant très bien que ni ta mère, ni moi, ne t'autorisons. Mais en sachant aussi que nous la prendrons tous les deux. C'est bien ça, réponds. Bah, oui. Alors si maintenant je me fâchais, tu reconnaîtrais que j'ai raison et que tu mérites une punition. Pourquoi? Bon, ben quoi, tu vas dire le contraire, peut-être, hein? Bon, eh bien, écoute, parlons d'autre chose. J'ai pas envie de me fâcher, ni de te punir. Je veux parler calmement de quelque chose d'important. À moi. À toi, oui. Tu es à un âge où on peut parler, je crois. Tu viens de prouver cette nuit que tu es peut-être idiot, mais que tu n'es plus un nourrisson. Hein? Allez, assieds-toi. Voilà. Roger, je te demande pas où tu as passé la nuit. Je le sais. Chez ta comtesse, n'est-ce pas? Je te demande pas de me dire oui. Je le sais. Alors, voilà. J'ai remarqué une chose. C'est que... Tu ne me demandes jamais d'argent. Et ta mère m'a dit que tu ne me demandais pas non plus. Pourtant, tu sors, tu vas au cinéma en dehors de tes heures de cours. Bah, du moins, j'espère que c'est en dehors. Tu fumes, tu as forcément des frais. Alors, où prends-tu ton argent? C'est Sonia qui m'en donne. Sonia? Ma comtesse. Ta comtesse? Oui. Ah ben, je m'attendais pas que tu m'avoues ça avec cette désinvolture. Pourquoi? Comment pourquoi? Et parce que c'est important, non, de se faire entretenir par une vieille maîtresse. Ah, mais elle est pas vieille, elle a 22 ans. 22 ans? Oui, elle s'est mariée en Pologne à 16 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, son mari s'est tué dans une chute de cheval. Elle a hérité de tout le fric de la famille. Mais tu couches avec elle, quoi? Bien sûr, oui. Et elle te donne de l'argent? Oh, mais je couche pas avec elle pour qu'elle me donne de l'argent. Je couche avec elle parce qu'elle me plaît. Et elle me dit qu'elle m'aime. Elle t'aime? Elle dit qu'elle me trouve rigolo. Ah, et elle te donne de l'argent parce qu'elle te trouve rigolo? Plutôt parce qu'elle voit que j'en ai pas. Oui, mais tu l'acceptes? Bien sûr, oui. Ça lui coûte rien, elle est pleine aux as, hein. Au contraire, elle m'a dit que ça la fâcherait si je refusais. D'ailleurs, pas essayé. Bon, eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu demanderas de l'argent à ta mère, hein? Elle te donnera ce qu'il te faudra. Et pour commencer, voici 1000 francs. Oh, t'es bien gentil, papa, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 1000 francs? Il semble tout de même que tu peux... t'acheter quelques paquets de cigarettes et te payer 2 ou 3 séances de cinéma. Bien sûr, oui, mais ça sert à rien, je t'assure. 1000 francs, ça peut faire plaisir à maman pour s'acheter du rouge à lèvres ou aller chez son coiffeur. Ça sera bien mieux. Hein. C'est pour ça que je te demande jamais rien. Tout ce que Sonia me donne, c'est autant d'économies ici. Hein. Mais j'ai jamais demandé l'aumône, moi, mon petit. J'ai jamais demandé un sou à personne. Ouais, je sais bien. Ouais. Et je n'accepterai pas qu'une Roumaine ou une Polonaise alimente mon ménage. Tu sais, c'est par gentillesse, hein, parce qu'elle s'en fout, hein. Mais je me fous de sa gentillesse et je me fous qu'elle s'en foute par-dessus le marché. Tu as tort, papa, hein. L'autre jour, j'ai une idée, justement, pour Lolo. Demander à Sonia qu'elle mette du fric pour lui dans un magasin. Un magasin de quoi? Bah, de couture, parbleu. Une boutique où il serait chez lui et où il confectionnerait ses modèles.
Mais tu t'imagines pas que ton frère va s'installer comme couturier? Pourquoi pas? Fait un truc épatant. Sonia est d'accord. Elle a dit que pour Lolo, elle ferait tout ce qu'on voudrait. Plusieurs millions, si c'est utile. Plusieurs millions? Oui. Je te dis, hein, c'est une môme épatante. Elle dit que l'argent, c'est fait pour s'en servir. Et moi, quand j'aurai mis au point mon invention, elle donnera ce qu'il faut pour prendre un brevet. Bon, eh bien, écoute, voilà 2000 francs, hein? Tiens, tu vas cesser de la voir, hein? Tu vas cesser de voir ta comtesse, c'est de toi que ça dépend, hein? Parce que tu imagines bien, sans tout vouloir te faire de peine, qu'elle n'a pas que toi dans sa vie, hein? Ah, oh, bah, bien sûr qu'elle n'a pas que moi. Ah bon? Ah, tu le sais. Ah, d'accord. Bah, je sais, bien sûr, je le sais. Je peux quand même pas l'occuper à moi tout seul. Mais je m'en fous. Ah, tu t'en fous? Ouais, ça me gêne pas. Et puis, c'est moi qu'elle préfère. Ah bon, elle te le dit et tu le crois? Ouais. C'est pas du boniment. Je ne demande rien, moi. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Faut bien que ce soit vrai, d'ailleurs, puisque tout ce qui me touche est sacré. Tout ce qui te touche? Ouais. Maman, Lolo, toi. Ah, moi aussi, je suis sacré. Oui. Ah. Si t'avais besoin de fric pour tes affaires, je suis sûr qu'elle t'en passerait. Mais nous n'allons tout de même pas tous nous faire introduire par la Pologne dans cette maison. En fait, tu t'es pas demandé si elle était pas un peu piquée, ta Sonia? Bah, bien sûr, elle est piquée, hein. Elle est gentille comme tout. Tu la connaissais, hein. Bon, allez, prends ces 2000 francs et ne parle plus d'elle, veux-tu? Non, je t'assure, papa, ça me gêne. Ah, ça, c'est con. Ah, ça te gêne quand c'est moi et venant d'elle, ça ne te gêne pas. Ah, bien sûr, mais... Elle et moi, on s'aime, quoi. C'est pas pareil. Ah, tu es là, toi. C'est maintenant que tu rentres, sous prétexte que ni ton père ni moi n'étions là cette nuit, maman vient de me raconter ça. Allez, file dans ta chambre. Et ne crie pas, ton frère dort. Tu m'avoueras tout de même que nous ne pouvons pas admettre ça. Alors là, tu me renverses. Quoi? Pourquoi as-tu giflé? Bah, parce qu'il le méritait. Bah, il méritait peut-être une punition. Bah, c'en est une. Une qui est idiote. Naturellement. Moi, j'étais en train de le raisonner. Avec de l'argent au bout des doigts. Oui. Tu lui donnais de l'argent? Oui, j'ai trouvé raisonnable ce que tu disais hier. Là, tu arrives et tu le gifles. J'ai dit Lyon, encore une fois. Eh bien, écoute, je suis énervée. Tu ne le comprends pas? Idiot. Ben, c'est commode d'élever des fils. Le jour où on se fâche, c'est votre femme qui vous traite de brute. Le jour où on ne se fâche pas, c'est elle qui se met à distribuer des gifles. Moi j'y renonce. Hein. Si je m'étais permis de lui envoyer cette claque, j'aurais entendu ce concert. On m'en aurait rebattu les oreilles pendant 10 ans. Ah ah! J'ai entendu une gifle. Ben ça y est, c'est Roger qui l'a reçue. Vous avez très bien fait. Ah. Ah! Il faut que ces petits aient de temps en temps un rappel à l'ordre. Il s'en souviendra. Je vous félicite. Ah ben décidément. C'est vrai. Au fond, Hippolyte, vous ne les avez jamais giflés. Il faut vous rendre cette justice. Oh, vous criez un peu souvent, hein, c'est entendu. Vous êtes un violent. Vous n'y pouvez rien. Et vous parlez gras. Mais vous êtes au fond un excellent père. Et vous aimez beaucoup vos fils. Vous ne les avez jamais maltraités. Aujourd'hui, vous avez très bien fait, mon petit. Il y a certaines circonstances où il ne faut pas les rater. Moi, j'ai eu 4 frères et je sais ce qu'il en est. Mon père était le meilleur homme du monde. Il n'empêche que je l'ai vu gifler mon frère Alfred le jour même où Alfred a eu 19 ans. Et jamais de sa vie mon père n'avait levé la main sur un de nous. Mais ce jour-là, Alfred lui avait manqué. Eh bien, je vous jure que lui... Il n'a pas manqué, hein. Le jour de ses 19 ans, il a reçu une de ses paires de claques, comme il n'en avait jamais reçu, le brave Alfred. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, le brave Alfred? Oh, vous savez, c'est loin tout ça, hein. J'avais 14 ans, c'était à la campagne, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je sais qu'il s'était passé quelque chose à l'office, ou à la ferme, je ne me rappelle plus très bien. Il y avait un petit valet de ferme que mon père ne pouvait pas supporter. Il devait bien y être pour quelque chose, lui aussi, dans cette histoire de femme de chambre. Car mon père l'a renvoyé le jour même, je me rappelle. Un valet de ferme. Je me disais bien que ça venait de ce côté-là, Alfred. Quoi? Non, rien, ma mère. Monsieur. Je voulais dire à monsieur... Que l'église vient de sonner. La porte aussi. Et
Et alors, la pendule de la cuisine va bien. Et alors? Et alors, il est 11h15. Eh oui? Bon, allez, occupez-vous de la porte d'entrée. Bien, monsieur. Je fais pas le tour, si monsieur le permet. Bon, moi, je n'aime pas les visites du matin. Je m'éclipse. À votre aise, ma mère. C'est un principe. Monsieur. Oui. C'est monsieur Henri. Monsieur Henri? Ben oui. Il a demandé si monsieur était là. Ben, j'ai dit oui. Oh ben, vous auriez mieux fait. Bon, ben, faites-le entrer. Monsieur Henri. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, alors, mon vieux, mais tu es content, j'espère. Content? Tu ne vas pas continuer à faire la tête. Mais de quoi parles-tu au juste? Eh bien, mais du succès de ton fils, voyons. Quel succès? Comment vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Mais mon vieux, ton fils est couvert de gloire. Lequel? Charles. Il a remporté hier soir au Palais de Chaillot le premier prix des mannequins de Paris. Le premier prix? 200 000 francs. 200 000 francs? Oui, mon vieux. Charles? Charles. Première nouvelle. Eh bien, vous n'êtes pas au courant. Non, eh bien, je te l'apprends. Et je te félicite, même. Mais, attends, tu dis un prix de 100 000 francs ou de 200 000 francs? 200 000. De 200 000? 200 000, deux fois 100. De 200 000? Eh oui. Charles a gagné un prix de 2,200 000 francs. Oui, mon vieux. Assieds-toi. Un prix de quoi? Le premier prix d'un concours ouvert à tous les grands couturiers pour la semaine de Paris. Un concours de petits mannequins poupées habillés par des maquettistes et décorateurs. Mais c'est Charles qui a remporté le premier prix. Mais oui, mon vieux, mais tu ne savais pas qu'il avait présenté des poupées à son concours. C'est rien du tout. Eh bien voilà, je t'apprends le résultat. Je te remercie, mais attends, je comprends pas. Tu dis un concours ouvert à tous les grands couturiers. Comment Charles pouvait-il... À tous les couturiers et décorateurs. Eh bien, il n'est ni l'un ni l'autre. Les amateurs étaient admis au départ, mais ils devaient passer, eux, l'épreuve d'un éliminatoire pour accéder au concours final. Et ton fils avait... Il avait parfaitement remporté cette épreuve, voilà tout. Et il a remporté la finale devant tous les grands couturiers. Mais oui. C'est une rigolade. Et j'y étais. Hier soir, au Palais de Chaillot. Premier prix, Charles Barju. Hein, on a cherché partout le triomphateur et son absence a doublé son succès. On l'a acclamé. Et j'ai vu ces petits mannequins poupées exposés sur la table du jury. Et c'était ce qu'il a fait est absolument adorable. Hein, il est là. Il faut lui annoncer ça, mon vieux. Doucement, une seconde. Tu n'en reviens pas, hein? Ah, je te jure que je m'attendais pas à ce genre de nouvelles. Bon, ce n'est d'ailleurs pas pour ça que j'ai fait un saut ce matin, moi. Mais j'étais persuadé que vous étiez au courant. Si je suis venu, c'est pour te parler d'une proposition qu'on m'a faite hier précisément. Et il faut pas que le faire quand il est chaud, n'est-ce pas? Une proposition? Oui, mon vieux, il y a de temps en temps comme ça des espèces de miracles, des coïncidences surprenantes, mais qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que j'ai voulu te voir tout de suite. J'étais là-bas hier soir avec un ami qui vient de reprendre une maison de couture à son compte. Il cherche un créateur de modèles pour relancer cette maison qui est tombée assez bas, je veux dire. Mais il cherche ton fils, quoi. Ça a l'air d'une blague, hein? Eh bien, il me parlait de ça. Et moi, je venais de lui dire, justement, que j'avais dans ma famille un jeune garçon. Enfin, je lui avais parlé de Charles. Là-dessus ont lieu les résultats du concours. Et qui remporte le premier prix? Le même Charles. Or, je n'ai pas besoin de te dire que les éloges que je venais de faire sur son compte ont pris tout à coup une certaine valeur. Alors voilà, mon ami est d'accord et c'est ce que je viens t'annoncer. Comment ça, d'accord? Si tu acceptes d'envisager cette situation pour ton fils, il est prêt à t'offrir une association. Et je connais Marlatier, hein, c'est un homme sérieux. Quand il s'intéresse à une affaire, c'est après l'avoir étudié longuement. Et on peut être tranquille avec lui. Ouais. Alors voilà, il ne te reste plus qu'à réfléchir. Mais vu le succès de ton fils hier soir, tu as le moyen de lui faire une situation de premier plan. Oui. Maintenant, il y a autre chose. Marlatier lui a remis 25 millions dans cette affaire. Et il lui en faudra encore 5. Bon, il les trouvera, je suis tranquille. Mais je te pose la question de sa part. Si tu pouvais toi-même apporter ce capital, la position de ton fils serait très différente. Ce serait alors une véritable association. 5 millions, Mazette, il y va pas avec le dos de la cuillère, ton Marlatier. Où veux-tu que je prenne 5 millions, moi? Ah ben là, je te pose la question. Ben, je t'y réponds sans aucune espèce d'hésitation. Je ne suis pas la Banque de France, je ne les ai pas. Mais tu peux les chercher. On peut trouver des gens heureux de commanditer un débutant. Hein?
Puis le premier prix qu'il vient de remporter donnera du crédit à Charles, et Marlatier, à lui seul, c'est une garantie. Alors je te répète, si tu pouvais toi-même apporter ce capital, la position de Charles serait très différente. Mais enfin, c'est de la rêverie. Oui, bien voilà, mon vieux, moi, je ne t'en dis pas plus, tu réfléchis, tu as mon numéro de téléphone, si tu envisages de donner suite, eh bien, tu m'appelles. Marlatier attend 48 heures, de toute façon. Mais je te dis, je ne crois pas qu'une telle chose se présente deux fois aussi favorablement. Je te remercie. Bon, je suis bien heureux pour toi et pour Thérèse, hein, et je vous félicite. Et puis, tu vois que tout peut s'arranger, au fond. Et tu n'es pas un aussi mauvais bougre que ça. Bien obligé. Ouais, c'est vrai ça, mais tu sais que tu me fais sacrément rire, si tu veux le savoir. Ah, je te fais rire. Oui. Tu me fais rire quand tu fais le lion, là, quand tu rugis, là. Entre Thérèse et toi, vous commencez à me courir avec vos animaux. Pour elle, je fais l'autruche, pour toi, c'est le lion. Je voudrais bien que vous me foutiez un peu la paix avec votre ménagerie, si ça ne vous fait rien. Ne t'énerve pas, Hippo, ne t'énerve pas. Bon, maintenant, je te quitte, hein, et je ne dérange pas Thérèse. C'est ça. À propos, dis-lui de ma part... Je ne lui manquerai pas, je ne lui manquerai pas. Ah, dis-donc, à propos. Oui. Là, tu te maries toujours pas? Quoi? Pourquoi, à propos? Non, c'est ma belle-mère. Oh, ta belle-mère. Chaque fois qu'elle te voit, si tu ne te maries pas bientôt. Eh bien, tu lui dis non. Tu n'as toujours pas trouvé la femme idéale. C'est ça. Tu l'attends. Quoi? Je dis, tu l'attends. Voilà. Eh bien, attends pas trop, hein. Mais c'est pas possible. Je t'en ferai bouffer, moi, du lion, tiens. En voilà une histoire. Qu'est-ce qu'il est alors encore à fabriquer avec des poupées, celui-là? Il gagne 200 000 francs avec une couillonnade de ce goût-là. Ah, c'est vraiment la peine de se crever la paillasse toute la journée à vendre des appareils de chauffage. On vous colle 200 000 francs et un premier grand prix, je vous demande un peu. Parce qu'un gamin est allé tortiller des robes sur des poupées. Quelle époque! On ne le dit pas assez, on vit vraiment à une époque de fou! Et pendant ce temps-là, il joue la dame aux camélias et meurt d'amour dans son lit, cette andouille-là! Roger! Roger! Lui, il doit être encore en train de râler à cause de sa gifle. Roger! Ah, allez, viens là, mon petit, viens. Figure-toi que je viens d'apprendre l'histoire à tomber de la lune. Il paraît que ton frère a gagné hier soir le Grand Prix d'un concours de mannequins au Palais de Chaillot. Les mannequins de Paris? C'est ça. Non. T'étais au courant? 200 000 francs, ça ne te fait rien. 100 000 francs. 200 000? 200 000. Oui, Charles a remporté un prix de 2 points, 200 000 francs. Formidable. Tu savais qu'il s'était présenté? Oui, il a été reçu aux éliminatoires il y a 15 jours. Ah bon, t'étais au courant? Oh, il avait demandé qu'on ne te le dise pas. Bah, très touché. C'est sûrement pour te faire une surprise, il avait un prix, hein. Et il a eu un prix. Le premier, je vais lui dire. Attends, une seconde. Vous n'êtes pas content? Si, je suis content. Bon, doucement, minute. Attention, je le vois d'ici, ton sybarite de frère. Il va s'imaginer que c'est arrivé tel que je le connais. Il va se prendre pour un pharaon. Écoute, c'est arrivé. Hein. Et quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. 200 billets d'abord. Hein. C'est toujours ça. Et puis, j'en sais rien. Ça peut être formidable pour lui. Hein. Formidable. Vous l'avez ce mot à la bouche. Ah, ce qui est formidable, en tout cas, c'est la connerie des gens qui golent 200 000 francs de prix en concours de poupées. Ça, oui, c'est formidable. Mais pour ton frère, entre nous, je vois pas très bien ce que cette histoire peut lui amener d'extraordinaire. Je te trouve difficile. Je réfléchis, je me demande... Je voudrais être sûr que tout compte fait, ce qui arrive à ton frère vaut vraiment la peine de se réjouir. S'il va pas avoir la tête complètement tournée sous prétexte que le jury de la couture lui a collé un premier prix. D'abord, si tous les grands couturiers participent à ce concours, comment est-ce ton frère qui a remporté le premier prix? Voyons. Mais j'en sais rien, moi. C'est toi qui me l'apprends. Ben, c'est Henri qui vient de... Eh ben alors, tu vois? Ben, je vois quoi? Ben, je vois bien que c'est vrai. Ben, je te dis pas que c'est pas vrai, je te dis que c'est incompréhensible. C'est une histoire invraisemblable. Ben, puisqu'elle est vraie. Ben, puisqu'elle est vraie, elle est encore plus invraisemblable, que veux-tu que je te dise? Tu veux pas que je lance à Lolo? Oh, ça, une seconde. Allô? Allô, oui, c'est ici, monsieur. Comment? Paris Presse? Ah, oui, je suis au courant, en effet. Oui, une interview? Ah, tout de suite, ça va être un peu difficile, monsieur. Disons à 2 heures, si vous voulez. Comment? Un camion de son? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec un camion de son? 200 000 francs? Ah, la radio? Ah, bon. Ah, d'accord. Eh ben, t'as entendu. Alors, au 34 rue des Saint-Pères, c'est ça, 3 et 4, au deuxième étage, à 2 heures précises. Je vous salue, monsieur.
Mais c'est merveilleux. L'interview, la radio, Paris Presse. Oh, mais Roger vient de me raconter 200 000 francs. Mais c'est la fortune, Hippolyte. 200 000. Et oui. Ah bon, la fortune. La fortune. Ah, ben nous n'allons tout de même pas tous tomber à la renverse parce que le bande de piquets fiche 200 000 francs en l'air et que Charles les reçoit la bouche ouverte. J'ai toujours dit que Lolo était verni. C'est vrai, il est verni ce petit. Ce qu'il fait, il le fait sans jamais l'avoir appris. Il est né sous une bonne étoile. Il est verni. Je sais pas sous quelle étoile il est né, en tout cas, devait être bizarre, cette étoile-là. Et il fait des choses ravissantes, hein. Il faut bien le reconnaître. Il a des mains de fée. C'est une fée, Lolo. Une fée. C'est vrai. Et Hippolyte, au fond, vous devriez être très content. Content, content, là, vous aussi. J'ai tout de même le droit de trouver curieux d'être le père d'une fée, que voulez-vous. Ah, c'est pas si mal, hein. Et vous, ma mère, vous trouvez toujours tout très bien. Une fée qui gagne de l'or. Ah oui, ça je connais la chanson. Dès qu'il y a des pépettes, tout est merveilleux. Un de ces quatre matins, je vais me mettre à faire le trottoir, moi. Comme ça, tout le monde sera content. Hippolyte, vous êtes impayable. Mais c'est vrai, à la fin. Oui. Bon. Je vous vois faire le trottoir. Oui, d'accord. Vous seriez tordant. Et vous voyez comment il est, c'est ce numéro-là. Il savait qu'il avait été reçu aux éliminatoires, il savait que le jury du concours se prononcerait hier. Vous voyez que ça l'intéressait? Pas le moins du monde. Monsieur partait en week-end, le concours, ils s'en fichaient comme d'une pomme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des zigotos de ce calibre-là? Ils se foutent même de ce qui les intéresse. Encore le téléphone? Mais c'est la gloire, Hippolyte! C'est la gloire! Et Thérèse n'est pas encore au courant! Thérèse! Allô? Allô, oui? Oui, comment? Monsieur, ah oui, c'est ici, monsieur. Mais, ah non, votre fils n'est pas avec le mien, monsieur. Mon fils est chez moi, monsieur. Ah oui, en effet. Et si vous pouvez, si vous me permettez, je pense que le vôtre est en fugue galante. Et avec une femme, si vous voulez le savoir. Oui, monsieur. Et je ne sais pas quelle éducation vous donnez à vos enfants, monsieur, mais permettez-moi de vous dire que vous avez pour fils un joli coco. Je vous salue bien, monsieur. Blanc, c'est là pour une fois, sera ce que je pense, ça lui fera les pieds. Qu'est-ce que maman et Roger me racontent? C'est Henri qui me l'a appris. Il a téléphoné? Il sort d'ici. Mais c'est incroyable. Ah, on vient interviewer Lolo à 2 heures précises. À 2 heures? Mais dans l'état où il est? Oh, ma fille, dans l'état où il est, il changera d'état. Qu'est-ce que veux-tu que je te dise? Il n'y a qu'à se tremper la tête dans l'eau froide. Ça lui changera les idées et à sortir de son lit. Enfin quoi, il peut se montrer un peu tout de même. La maison est transformée en une véritable fourmilière. On passe son temps à entrer, à courir, à sortir dans la chambre de monsieur. Lui, on ne le voit pas. On ne le voit jamais. C'est l'Arlésienne. Eh bien, à 2 heures, il se débrouillera pour se montrer un peu et il n'en mourra pas. Enfin quoi, la radio se dérange. On lui amène un camion de son à domicile. Tu ne voudrais tout de même pas qu'il réponde à ces gens-là? Laissez-moi tranquille, j'ai été plaqué par Robert. Bon, on s'arrangera. Et Henri est venu exprès pour nous annoncer ça? Oui, il était hier soir au palais de Chaillot, il passait dans le quartier, il est monté. Ah, oh, c'est gentil. Oui, c'est... Mais qu'est-ce que ce prix peut lui apporter à ce petit? Ben, c'est rien, moi. C'est quand même un succès, un résultat extraordinaire. T'es contente? Pas évidemment. En tout cas, ça ne pouvait pas mieux tomber. S'il pouvait y avoir des suites heureuses de ce côté-là, ça serait une distraction à ce qui est arrivé. Quelle suite veux-tu qu'il y ait? Ben, est-ce qu'on sait? Tu as pris ton bain? Oui, ça va mieux. Et toi, tu ne fais pas ta toilette? Moi? Tu n'es pas rentré cette nuit, il paraît. Allez, embrasse-moi. Nous nous sommes dit des choses bien désagréables. Oublions tout ça. Enfin, si nous pouvons. Il va te raser, hein. Je ne crie pas pour le plaisir, tu sais. Mais je sais. En tout cas, dis-toi une chose, c'est que je ne serai jamais cocu. Ça, on verra. Quoi? Bon, non, n'en parlons plus. Va prendre ton bain. Envoie-moi Roger d'abord. Oh, tu ne vas pas l'attraper, c'est fini l'histoire de la gifle, on s'est embrassé, c'est oublié. Non, je voudrais lui parler. Bon, je te l'envoie. Ah, à nous deux, mon petit. Tu devrais dire mon grand. C'est vrai, quel âge as-tu, toi, juste maintenant? 17. Eh oui, déjà 17 ans. Pourquoi? Non, pour rien, mon gros, pour rien. Un beau jour, on s'aperçoit de ces choses-là, tout d'un coup, le temps passe, tu n'es plus un enfant. Hein. Ah oui, parbleu, oui. Bon, allez,
Viens là. Assieds-toi. Voilà. Là. T'as pas soif ? Soif. Pourquoi ? T'as trop bu. C'est ça parce que... En bavardant, on aurait pu boire quelque chose. Un apéritif ? Pourquoi pas ? Bah ouais, mais ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Bah non, on n'en boit jamais. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Bon, si tu veux, je peux aller chercher une bouteille, hein ? Non, reste assis, mon petit, reste assis. Je viens de parler. Et tout d'abord... Je vais faire appel à toi pour un petit tour d'adresse. Figure-toi que j'ai entre les mains un paquet de lettres que ton frère a dû laisser traîner. J'ai trouvé ces lettres tout à fait par hasard. Mais je ne voudrais pas qu'elles tombent dans les mains de ta mère et a fortiori de ta grand-mère. Elle pourrait en être choquée. Tu dois savoir où ton frère garde son courrier. Dans le petit bureau de sa chambre, je suppose. Dans un des petits tiroirs, certainement. Mettons le tiroir de droite, par exemple. Tu sais, comme ton frère est personnel, hein, s'il s'apercevait que par étourderie, il a laissé traîner ses lettres, il pourrait supposer je ne sais quoi. Tu sais, comme il est exagéré en tout. Allez, voici ce petit paquet. Je compte sur ton adresse pour qu'il regagne sa place sans que Charles puisse s'alarmer de quoi que ce soit. Tu sais qu'il faut un peu le ménager ces jours-ci. Hein. Il a eu une grosse contrariété. Tu peux compter sur toi ? C'est bon, sois tranquille, il verra que du feu. Parfait. Bon, alors... maintenant, ce que j'ai à te dire est évidemment assez bizarre. Il y a des circonstances dans la vie où l'homme, les hommes, toi, moi, ou un homme, un père de famille, par exemple, peut se voir obligé, par un ensemble de considérations, à envisager, voilà, disons le mot, telle ou telle solution qui, au premier abord, lui aurait paru, ou aurait pu lui paraître inenvisageable. Tu me suis, n'est-ce pas ? Oui, enfin... Hein ? Oui. Tu t'imagines bien, dis-je, que... Oh, le bonheur est peut-être un bien grand mot. disons la situation rêvée. Voilà. T'imagines bien, dis-je, que je serais heureux de pouvoir procurer à ton frère cette situation dont il rêve. Je pense que ta mère en serait très heureuse aussi, j'en suis sûr. Mais à ce propos, Roger, si, et je le crois, je peux m'adresser à toi comme une grande personne, il faut que tu me donnes ta parole, que tout ce que je vais te dire restera entre nous. Et que ni ta mère, ni Lolo n'en sauront rien. Je peux compter sur toi ? Oui, pas. Hein. Parfait. Alors voilà, dans un sens, c'est assez inespéré. Et je crois qu'il ne faut pas faire l'autruche, il faut regarder les choses en face. Bah, oublions pour l'instant, si tu veux, le côté des femmes. Nous sommes là, toi et moi, Cette jeune comtesse sympathique là, dont nous avons déjà parlé serait disposée, m'as-tu dit ? Parlons d'homme à homme, mon petit. Oh, on ne peut pas causer 5 minutes avec ce nom de vieux téléphone. Allô ? Ah, comment vas-tu, vieux crabe ? Oh ! Oh, je m'excuse encore, chère madame, mais décidément, cet appareil... Ah, vous êtes déjà au courant. Eh oui, voyez-vous, le premier prix. Eh oui. Vous êtes infiniment aimable, je n'y manquerai pas. Eh oui, évidemment.
Il n'est pas comme tout le monde. Simplement adresser un grand merci à Anne-Marie Blondiot qui nous a encore une fois à nouveau permis de nous accueillir dans ce merveilleux théâtre, à Christian Blondiot qui a assuré la partie technique, au conseil de village Pleine Gare présidé par Claude Gazio, et dans ce conseil de village, disons, à deux personnes surtout qui ont beaucoup œuvré pour la réalisation de ce spectacle. Qui sont Madame Nicole Kayser et Monsieur Maurice Tournant. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais vous présenter les comédiens. Alors, vous avez pu applaudir Christiane Godon. Jacques De Fontaine. Christophe Hérault. Rosette Schäbling. Jeanne Deborda. Et Richard Lapalu. Avec Jean Adam, qui va venir nous rejoindre.